Oh non, mais y a rien qui va. On dirait que je promène mon chien. Oh. Est-ce que cette chose est une blague? C'est pas un poisson d'avril cette merde. Et ça m'énerve. Coucou tout le monde et bienvenue pour cette vidéo sur le 1er avril. Pourquoi j'ai dit première? On se retrouve pour cette vidéo sur le 1er avril sur SSO. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, SSO avait mis le carton en faisant Car Stable. C'est-à-dire que nous pouvions être dans des voitures à la place de notre cheval et c'était franchement de la balle. Mais aujourd'hui, un an après, on va aujourd'hui voir ce qu'ils nous ont concocté pour cette année 2020. Et en fait, on le voit direct quand on se connecte, donc j'ai rien touché pour pas non plus tout cacher. Aujourd'hui, je suis en train de tester le serveur 4, puisque c'est un nouveau serveur français qui a ouvert le jour de mon live. Je voulais aussi en profiter en parlant de live pour vous dire que je ne pense plus faire de live parce que ça s'est pas très bien passé pour celui de la dernière fois et j'ai pas envie de me casser la tête à chaque fois avec ça, donc je pense que je vais arrêter les lives. Voilà, et je reprendrai peut-être dans quelques mois ou je sais pas quand j'aurai de nouveau la motivation, mais enfin je sais pas, pour l'instant je suis plus très motivée et puis poisson d'avril. Ah non, mais j'espère que vous avez pas cru quand même. Oh non. Non, en vrai, pour être honnête, le dernier live s'est superbement bien passé, j'ai passé un moment extraordinaire, vraiment, je sais pas si vous pouvez imaginer comment je me suis amusée. Vous avez été dans l'ensemble très respectueux, le chat a été un petit peu mouvementé avec des personnes qui spammaient de messages dont on s'en foutait clairement. Ou de questions auxquelles j'avais déjà répondu 10 ans en arrière et qui continuent de spammer. Mais les modos ont assez bien travaillé là-dessus, donc je remercie encore les modos qui étaient là et je vous remercie vous qui avez été sur le jeu aussi, parce que vous avez contribué à rendre ce moment très superbe, fantastique et inoubliable. Donc merci à vous et ne vous inquiétez pas, des lives il y en aura et j'essaye d'en faire dès que je peux. Bon, peut-être pas samedi parce qu'on a un événement avec les Hippolytes, mais vendredi ou dimanche, ou je sais pas, mais en tout cas, les lives, il y en aura encore, ne vous inquiétez pas. C'était un poison d'avril que j'espère avoir bien réussi. Alors, dans le but de diminuer notre empreinte carbone, tous les chevaux de Durvik ont été réduits à une taille pratique et écologique. Nous espérons que cela plaira à nos joueuses respectueuses de l'environnement et leur offrira une nouvelle façon de jouer passionnante avec des chevaux miniatures. Bienvenue dans Small Stable. Ça c'est pas mal parce que du coup ils jouent avec un petit problème environnemental, enfin avec le problème environnemental dont on est tous surtout responsables. Et je trouve ça bien qu'ils aient réfléchi à ça pour leur 1er avril, donc on va tout de suite tester. Ah ouais, ok, d'accord, c'est direct en fait. J'ai un petit problème avec mes rennes, mais non, sinon ça va. Mes rennes, putain. Oh mais regardez la différence, on dirait qu'on a une figurine. Trouvez la figurine cachée sur cette photo. Bon bah du coup on va aller se balader hein. Et du coup comme on est sur le serveur 4, normalement on va pas croiser beaucoup de monde mais... non. Salut les gars. Les gars, on est rentrés d'une petite balade avec mon petit side. Ah non, c'est même pas lui. C'est qui que j'ai? Sweet Destiny. Désolé, je sais pas le nom de mes chevaux. Pourquoi il y a une étoile qui flotte? Il y a une étoile qui flotte là. Bon, le jeu a un petit peu de mal là hein. Il y a des chevaux là, vous avez vu, il y a des étoiles. Il y a vraiment du mal hein, le jeu aujourd'hui. Hein. Et pourtant, je suis sur un serveur où il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Je devrais pas bugger autant que ça. Mais pourquoi? Attends, je vais me remettre haute. Ah! Ça fait méga peur la transformation. Hop et pompé là. Ça vous dit de faire le soul riding en minuscule ou pas? Est-ce que ça faciliterait pas le machin? Attendez, je vais quand même voir. On va prendre un cheval que je dois entraîner. Ok, mais j'ai plus de place pour mes équipements là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que j'ai eu ça. Ouais, des glaces, ça se rachète pour pas beaucoup. Hop. Hop. Ah, j'ai pas assez de place dans mon sac. Hein. Ok, bah on va mettre... la bride du coup elle est encore sur l'autre cheval. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas, tout va se faire. Non mais c'est là, toujours la galère ici pour changer de cheval, je vous le dis. Oh mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Non. Est-ce qu'on montre qu'on sait contrôler un cheval? Hop. Sans reine. Parce qu'aujourd'hui on ferait pas du sans reine. Alors on va se transformer, hein. On va voir ce que ça donne du coup.
Bah, t'es passé où, Ali? Merde alors. Ouais, je suis dans l'aventure. Je vais sauver le monde. Le monde n'attend que moi. Alors, on va aller au paddock des druides. On va voir ça. Oh. Bonjour à toi, Clémence. Contente de voir une vie humaine. Ah bah, il y a du monde ici. Il y a deux personnes. Ça, regardez. Hop là. Hé, hey, venez me chercher si vous êtes cap. J'ai l'impression d'être petit biscuit. Comment j'ai pu échouer là? J'ai trop pris la confiance pour ça. Non mais donc j'ai trop l'impression d'être petit biscuit. Genre, hé, hey, viens me chercher. Non mais attends, c'est cheaté parce qu'on peut deux fois plus y arriver comme ça puisque du coup on est minuscule. Il y a une surface de touche, si je peux dire, qui est réduite. Bon, combien de temps qu'il nous reste? On en est à plus de la moitié un peu. Bon, on est bon là, hein. Franchement. Déjà que c'était pas super compliqué à la base. Je trouve que là, ça me sent mieux. Je vais peut-être arriver... Ah non, j'allais dire, je vais peut-être arriver aux 5000, meuf. Il te reste 1200, là. Tu vas pas y arriver aujourd'hui. Bon, on sera à 4000 aujourd'hui, c'est bien. Oui, donc j'ai un jour de retard parce que j'ai oublié de faire avant-hier. J'ai totalement zappé, donc du coup, j'ai un jour de retard. Mais bon, de toute façon, j'ai loupé... Enfin, j'ai 100, je crois. J'ai 100 XP de retard. C'est trop bien quand on est petit. Le petit poney qui... Oh putain, faut que j'arrête de prendre la confiance, je me rapproche. Dangereux. Heureusement, dû la ligne. Mais là, je me suis pris un obstacle, ça n'a rien à voir. Ah, merde, mais regardez ce qu'on saute, quoi. C'est pas humainement possible. Non, mais les bugs. Les bugs, mais pourquoi ça bug comme ça? Sauvez-nous! Ah! Ah! Les bugs! Non! Oui! Oui, non! Eh? Ouais, ok. Non, mais là, par contre, si j'arrive pas à rester dans le cercle, c'est qu'il y a un gros souci. Hop là, hop. La petite fourmi qui fait ses entraînements de fourmi riding. De soul fourmi aussi, ça peut passer. Les deux vont. Les deux sont... Salut les gars. Je m'en vais. S'il vous plaît. Oh. Oh. Ah ok, donc moi je suis normale mais mon cheval est minuscule. Est-ce que je peux le prendre en longe? Oh non. Je transporte mon pot. Oh, genre... On dirait que je promène mon chien. Allez, viens, Boubou. On va faire une petite balade. Je suis morte. Et attendez-moi, les amis. Je vais aussi monter dans le van. Où est-ce que je peux aller? Ah bah, attendez, les amis. Hop, je... Madame, s'il vous plaît, vous pouvez vous enlever. J'arrive pas à sortir de vous. Merci beaucoup. À bientôt, madame. Oh, coucou, la petite Boum BD. Vous dépassez du van, madame Boum BD. Au secours! Elle m'a vu! Elle m'a vu! Elle m'a vu! Au secours! J'ai l'impression d'être une araignée, tu sais, genre, elle disparaît. Vite, vite, vite! Elle m'a cherché! Elle m'a vu! Elle m'a. Aïe! Oui! J'ai mal! Vite, 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 vite! Cours! J'ai toujours les rennes qui traînent par terre. À tout moment, il y a un risque d'accident mortel qui peut se passer. Ouais! Tu me nettoies vachement là, meuf! Putain! Oh non, mais il n'y a rien qui va. Je suis morte. Mais je brosse l'air. Je suis en train de brosser l'air. C'est quand même pas possible. En fait, j'ai l'impression de réaliser un rêve que j'avais petit, tu sais, genre... Où tu te dis... Bah, et si seulement je pouvais avoir un cheval miniature comme ça, mes parents, bah, ils me laisseraient en avoir un parce que ça prendrait pas de place, ça demanderait pas beaucoup de soins. Et bah là, j'ai l'impression que mon rêve devient réalité, tu vois, genre... Hop là. Fais mon lit. Oh là là, attendez, je vais faire mon lit. Et attendez, non mais quand même. Je peux pas faire... Je fais une vidéo avec mon lit mal fait. Non mais ça va pas. Non mais Ali... Eh ben y'a personne. Pas mal. Voilà. J'ai toujours pas fait la mission d'elle là, putain. Je sais même pas ce qu'elle fait. Elle cueille des branches. Elle va me traiter de là comme de la merde. Ah, je peux pas lui marcher dessus. Ah voilà, je te marche dessus là. Ah, t'es bien là. Si je te disais pourquoi cette ruine... Oh merde, je prépare ma grande entrée. D'ici peu, je vais entrer en scène et faire un carton. Tu n'as pas entendu la nouvelle? Idriss organise des auditions pour son extraordinaire spectacle ambulant. C'est super. Mais rien n'est moi là. C'est super, pourquoi tu fais pas la gueule avec les autres? Ah, c'est pour ça là. J'ai tellement le trac que je n'arrive pas à aller à l'audition. Je crois en toi, Lisbelle.
Ah ma chérie, tu es trop gentille. Bon sang, qu'est-ce que je fais caché dans un buisson à ronger les sangs? Digori et moi, on est nés pour être des stars. Mais du coup, Idriss, il est minuscule. Oui, c'est moi, la célèbre Anastasia Silverglade. Tu peux arrêter les auditions, mon chou. Tu as trouvé ta star. Intéressant. Ta tentative pour m'impressionner a eu exactement l'effet inverse. Hii, oh, il est trop beau, ce cheval. Ce cheval, ses taches, c'est magique. Comment t'appelles-tu, mon beau? Il est trop beau. J'adore. Pourquoi ils font des choses si magnifiques qu'on peut pas avoir? J'arrive pas à le croire, il a choisi un cheval parmi tous les candidats. Mais il y a plein de chevaux à Jorvik. Iris, on sait pas de quoi il parle. Qu'est-ce que je pourrais bien apprendre d'une bête cheval à moins que... Mais non! Faut que j'aille à Jorlaim, c'est ça? Iris, tu as fait une erreur. Les deux petits lapins ont donc couru après le lièvre. Bienvenue à mon spectacle ambulant. On ne peut pas avoir de spectacle sans spectateur. Depuis que tu vas aller rassembler, bien. Toi, viens à nos spectacles. Oh, yeah. Coucou, toi. Est-ce que tu peux venir à notre spectacle? Les amis, le mur, aïe. Toi. Pourquoi pas? Les amis, venez, il y a un spectacle, vous allez vous éclater. Ok, bon, on les a tous invités. Tu as réussi à inviter tout le monde, super, on a fait ça, hop hop hop, excuse-moi, voilà, petit cheval, tu restes là, excusez-moi, c'est mon petit chien, je le promène souvent. Bon alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, il est trop mignon, il est sur le cheval, là, notre petit copain. J'avais oublié que j'avais une barbe. Ok, donc là, il est dans le coin du... Ok, bah c'est sympa. C'est un désastre, Esmen est complètement bouleversé, tout ça à cause de l'idiotie de Dean. Maintenant, Idriss va devoir trouver un autre cavalier, ne t'inquiète pas. Idriss, je suis vraiment désolée que le premier spectacle se soit mal passé. Il y a encore la meuf qui me dit salut. Moi, je suis là derrière. Je fais méga peur. Il est clair que Xin n'est pas capable de monter Esben. Je me propose donc humblement pour le remplacer. Je serai la star du spectacle. Arrêtons là cette discussion. Nous devons passer au spectacle suivant. Le spectacle va continuer. Nous allons poursuivre jusqu'à l'hôtel Wolf Hall. Tu peux te joindre à nous si tu veux. Il y a un van. Oh, mon cheval miniature. Je l'ai retrouvé. Regardez-moi, c'est trop mignon, il y a une personne qui parle dans le global, sinon c'est calme. Alors que, attendez-vous. Bah, qu'il y ait du monde. Escape. Oh, le salaud, il veut que je prépare Esben. Non, mais tu te calmes. Attends, il faut que je fasse quoi? Ah, ok. Il m'a fait descendre automatiquement. Je caresse le vide. En vrai, ça peut trop bien se faire, parce que si je prends quelqu'un en face de moi, on dirait que je caresse la personne en face. C'est très bizarre. Je crois que j'avais d'autres choses à faire. Non, putain, je suis con. Oh non, mais sérieux les gars, fallait que je fasse quoi là? Bah oui, bien sûr. Mais pourquoi tu descends? Mais il me saoule. Je veux bien que je sois en miniature, mais je suis quand même capable de porter du foin. Ouh, hey, on peut faire grave des beaux trucs avec les petits poneys. Ah, écoute, on sait pas ce qu'il fait, on flippe. Tiens, mange. Mange. Faut que je fasse quoi là? Ah, ok, fallait juste... Il est trop mignon quand il boit. Oh, ça fait tellement réaliste en plus. Je veux ce cheval. On peut pas l'avoir lui à la place du cheval magique. Salut Edfield. Oh putain. Edfield, comment il le regarde en mode salut connard. Hop là. C'était beau ça. Oh. Comme il a volé. Oh, il y a le petit singe Digori qui est parti à sa recherche. Ah. Mais j'arrive pas. C'est fait exprès que ce soit si... Oh, en fait, ils ont une histoire d'amour. C'est beaucoup trop mignon. Oh, les bibounets. Il ne faut pas fraterniser avec l'ennemi. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux être ami avec Esben, mon chéri? Mais c'est à cause de lui que nous ne sommes pas des stars. Tu lui en veux pas? Oh, c'est mignon. Le petit singe qui se fend en amour pour un cheval. Un amour impossible qui existe. Et on y va. Allez, viens, vas-y, suis-moi. Mais je perds toute crédibilité, c'est pas possible. Pourquoi elle s'est arrêtée? Ah, je vois que tu as trouvé la star du spectacle et juste à temps en plus. Putain, mais elle est en train de le monter, elle l'a ramené. Idriss, putain, tu vois pas ou quoi? Yori, que voici, a forgé un lien avec l'adorable Esben. Ils sont quasiment inséparables, n'est-ce pas mon chéri? Exactement, et je pense qu'Esben donnerait le meilleur de lui-même s'il avait son meilleur ami avec lui. Ah ouais. Évident que nous sommes non seulement les primates à développer un lien étroit avec le cheval, mais aussi que cet illusionniste rusé peut communiquer avec le singe. Ta position est acceptée, nous avons trouvé une cavalière de remplacement. Ah, super, elle a réussi. Je viens d'apprendre que la baronne sera dans le public pour notre grand final. L'enjeu est plus important que jamais. Tu es certaine que tu seras à la hauteur? Mais oui qu'elle le sera. Ok.
Attention, là, on va voir des BG entrer en scène. Et en plus, ils sont à taille humaine. C'est beau, cette communion. Ah, mais... Oh, regardez, ma... oh, je suis trop bien assise, j'adore ma position. Je me regarde comme moi, la narcissique, c'est... Par contre, les gars, vous regardez tout sauf elle, là. Hein. C'est un petit peu... C'est ce qu'on gère. Oh, dis donc. Il est trop bien, le petit singe, là. Il est trop calme. Et elle, par contre, fou. Comment elle fait pour tenir comme ça? C'est le spectacle le plus merveilleux que j'ai jamais vu. Même la baronne est venue me voir après le spectacle pour nous complimenter. Elle adore vraiment Esben et moi aussi. On dirait que votre lien est déjà très fort. Je peux pas m'en empêcher, j'en fais pour lui. Personne ne pourra nous séparer maintenant. Et ce cher Digori adore absolument son nouvel ami, n'est-ce pas? T'es contente? Du coup, c'est cool. Ouais, je suis gentille, je sais. Bah de rien. Et voilà. Cette vidéo est très bien, puisque même en miniature, on est capable d'aider les gens. Bon, et ben voilà, je sais que en plus de la mise à jour du 1er avril, vu que c'est un mercredi, il y avait d'autres petites choses. Il y avait notamment... Il y avait d'autres souvenirs de Catherine, mais ça, je le fais soit en live, soit hors caméra, parce que sinon c'est très 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 long. Ah, c'est cool aussi, à Mourlande, du coup, pour la boutique des... On va juste faire ça avant de partir. Pour la boutique des Star Rider à vie, les statistiques seront plus élevées et ça c'est cool. Oui, ben, de ce que j'ai pu en ressentir en étant sur ce serveur, c'est vrai qu'on a ce sentiment un petit peu d'isolement. Mais c'est parce qu'il est tout nouveau. Donc c'est le temps que ça laisse un petit peu de temps, soit aux gens de venir, soit aux nouvelles personnes de se connecter. Mais ce serveur, comme il est très calme, il est aussi très 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 fluide normalement. Ah ouais, il y a des bonnes statistiques les gars, rapidité de 2 à chaque fois. Ça c'est cool, ça c'est top. En tout cas voilà, attendez, mais il y a du monde là aujourd'hui. Eh, il y a du monde, il y a du monde, il y a des gens qui parlent. Ah non, 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 je veux finir sur un tonneau s'il vous plaît. Ce serait trop bien. Mais non. Mais je vais y passer la journée s'il faut. Il y a une personne qui est en train de me voir en train d'essayer d'aller sur des putains de tonneaux, quoi. C'était pas exactement là que je voulais finir ma vidéo, mais c'est tellement plus facile. Voilà, je finis sur ce petit truc pour vous faire un petit spectacle. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'être minuscule vous a plu aussi si vous avez pu jouer, et que me voir minuscule vous a fait rire un petit peu au moins. C'était super drôle, j'ai ma petite préférence quand même pour l'année dernière, j'avoue, c'était vraiment très bien d'être une petite voiture, on avait beaucoup plus de fun. Par contre, j'ai une préférence aussi pour cette année, puisque le message derrière est super important. Le fait d'avoir réussi à faire un poisson d'avril aussi sérieux que ça, puisque malgré que ce soit quelque chose de très drôle, il y a aussi l'aspect écologique qui a été mis en avant, souligné. Et je trouve ça très bien de leur part, parce que c'est une entreprise, je trouve, qui soutient de très belles causes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez bien compris tous les aspects importants de ce 1er avril, qui non seulement est drôle, mais aussi traite d'un sujet sérieux. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao.